Salut tout le monde, c'est Gadius, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce sixième épisode de Pokémon version X. Pokémon X, tout simplement. Et on est toujours dans Illumis, ah quelle belle ville. On est magnifique. Bon, alors j'aimerais savoir à quelle heure passe le bus, s'il vous plaît. Message préenregistré, vous pouvez obtenir toutes les informations sur la navette Chevroom via ce terminal. C'est... il y a des travaux, ok. Ah, tu sais, est-ce qu'on est allé ici? Ouais, je crois, hein. Les timides, on y est allé. Ensuite, on peut aller là? Non, bah, ça m'aurait étonné aussi. C'est vraiment typiquement les bars parisiens. Tu sais combien il y a de café en toi et Illumis? Aucune idée, mais je pense que c'est le café soleil après celui-ci. Ouais. Tant pour moi, c'est fermé. Ah non, c'est bon. Avenue Floréal. Au chic à porter. Allez les filles. Allons nous habiller. Bonjour, je suis vraiment désolé d'avoir à vous dire cela. Mais vous êtes loin d'être stylish. Notre règlement est très strict. Oh, la musique. Malheureusement, nous ne pouvons admettre que les personnes les plus stylish. N'hésitez pas à revenir nous voir quand vous aurez une certaine expérience du monde de la mode illumisienne. Non mais genre, c'est quoi cette... Ce... Voilà quoi. Vous m'avez compris. Non mais c'est vrai, elle n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit. En France, on est libre de s'habiller comme on veut. On n'a pas le droit de se faire refouler. D'ailleurs, elle, là, avec ses cheveux, je lui dis rien. Je lui dis pas, t'as des cheveux en pétard, t'as des fleurs dans les cheveux, je sais pas quoi. Voilà, et elle-même, elle le dit. Ne te laisse pas influencer par les autres et par l'air du temps. Reste fidèle à toi-même. Ouais, bon, c'est à peu près pareil. Dites-moi tout. Ne me dites pas que vous ne mourrez pas d'envie de savoir... Dites-moi tout. Quelle boutique vous intéresse en particulier? Novarto. C'est une chapellerie réputée. Quels que soient vos goûts, je parie que vous trouverez le couvre-chef qu'il vous faut. Non mais quand on joue à Pokémon, on a envie de manger après. Hein. Surtout quand on n'a pas mangé. Hé hey Cuit. J'achète tout en plusieurs exemplaires pour pouvoir habiller mes Pokémon de la même façon que moi. Bon. C'était de la discrimination. Oh non, il va me dire, oh, c'est fermé, gnagnagna. Mais j'ai pas envie d'aller là-bas. Attendez. Ah si, j'avais envie d'aller là-bas. Mais si oui, il faut que j'aille. Hé, hey, toi, ça va? Tu fais quoi, là? Je connais si bien Illumis que je sais où se trouvent les meilleurs coins ombragés pour où s'allonger. Zut. Non, encore vous! Ouais, ça va, allez, allez, je m'en fous de ta mode à la noix. Genre, je suis pas assez stylish, non, mais pour qui elle se prend? Bon, tout à l'heure, j'ai... Ah non, c'est bon. J'ai vu non, pas Tierno, je sais plus comment il s'appelle, le roux, là. Regardez, il y a Pikachu en haut, c'est beau, ça. Oh, pas là. Là, l'hôtesse de l'air, je sais pas ce qu'elle fait. Il n'y a personne dans cette ville, c'est désert. C'est la ville la plus grande de d'Illumis, je raconte, de Kalos. Bon là ça va être fermé, je le sais. Ah quoique, peut-être pas sûr. Pas sûr que ce soit fermé. Oh, zut. C'est où qu'il était le rouquin là? Lui. Enfin je dis lui mais je l'ai pas vu. Ouais, rouquin. Je connais plus son nom. Ah, il est là-bas. Non, c'est pas lui. Ah, là-bas, je peux pas passer. Là, là c'est quoi, en fait? C'est d'où je suis venu, je crois. Oh, je suis perdu, c'est pas possible. Écoutez, on va aller revoir le professeur Platane, là. C'est le seul endroit que je connais. Je sais plus ce qu'il faut faire. C'est pas grave, hein. On a tout le temps. Je veux dire... voilà, quoi. Deuxième. Peut-être qu'il va me dire, va capturer les Pokémon. Remplis ton Pokédex. C'est ça qu'il va me dire. Ouais, voilà, j'en étais sûr. Attendez, il fallait que j'aille au café.
Je l'ai fait, mais visiblement... peut-être mes Pokémon sont pas assez forts. C'est pour ça qu'il a pas voulu faire un combat. Bon, elle est plaisante, hein. Moi, j'ai envie de le faire, le combat. Tiens, on a des PC. C'est un appareil d'enregistrement en réseau avec les autres équipements de recherche. Je suis en train de développer un outil qui me servira dans mes recherches. C'est un processus très difficile, cela risque de prendre longtemps. Quand je suis synchro avec mon Pokémon favori, j'en ai des frissons. Ok, ici c'est le laboratoire de recherche. Ah, c'est sympa. C'est vachement beau, c'est des colonnes, on dirait des colonnes romaines. En tout cas, moi ça me fait penser à ça. Ah, il y a un an, mais oui, là. Bon. Ah, taisez-vous. J'en ai marre de vous entendre parler à chaque fois que je passe. Non, ça va être encore le truc de style. Ah non, c'est son Pokémon. Écoutez, moi, je veux garder des sous pour m'acheter des nouveaux habits. C'est tout ce dont je rêve. Ouais, il est plus élégant, Lumis. En effet, je le reconnais jamais quand j'y rentre. Ah ouais, d'accord. Attendez, mais je suis perdu. C'est possible d'être perdu au début du jeu comme ça? Non, ça, je vais me faire refouler. Ah, arrête. Café Soleil. Allez, Caleb, dis quelque chose, là. Non mais t'es sérieux? C'est pas croyable, je vais rien faire dans cet épisode. Et il est où le rouquin? Il était là tout à l'heure. Toi là. Là je vais me faire refouler. Toi, qu'est-ce que tu veux? Là-bas je peux pas y aller j'imagine. Là je peux y aller ou pas? Non je pense pas. Il y a une rue que j'ai pas dû faire. Allez, c'est peut-être celle-là. Non, mais ça, c'est le début. Ah, voilà, il fallait aller là. Salut, c'est moi. Je suis sur la route 5. Et ça, c'est énorme. C'est quand on bouge la 3DS, en fait, ça bouge aussi en même temps. Donc là, attends, un peu en haut, en haut, en bas. Ouais, moi, je le veux centré. Salut, c'est moi, je suis sur la route 5. La vache, les Pokémon sauvages, y'en a partout. Faut que tu viennes voir ça en vitesse. Ok. Eh bien, allons-y. Mais je sais pas, en fait, je pensais que c'était d'où on venait. Je suis désolé. Hey! Attendez, est-ce que j'avais le droit jusqu'à là? Mon nom, c'est Pierce Anlove. Ma mission est de faire connaître les Zora au monde. Je vois que tu as envie d'en savoir plus, mais que tu n'oses pas poser la question. Ouais. Rassure-toi, je vais tout te dire. Les Ohora ont vraiment des pouvoirs mystérieux. Elles peuvent rendre les Pokémon plus forts et faire gagner plus d'argent à ceux qui les utilisent. Elles ont même des retombées positives sur les amis qui se trouvent à proximité. Mais trêve de bavardage, voici qui vaut mieux qu'un long discours. Ouais, il m'a donné des Ohora. Vous pouvez maintenant utiliser l'aura attaque et l'aura défense. Comme leur nom le suggère, les Ohora attaque renforcent l'attaque. D'ailleurs, si tu utilises ces auras régulièrement, leur niveau augmentera. Si tu veux en savoir plus, lis le manuel. Allez, on va aller sur la route 5. Chemin du versant. Oh! Lucario! Lucario. Désolé, j'ai entraîné deux Lucario ensemble et je sais pas ce qui est passé par la tête de celui-là. Lucario, qu'est-ce qui te prend? C'est à cause de ce dresseur? Elle a une aura spéciale? Ah oui, c'est vrai que lui, il voit les auras. Comme son attaque emblématique, son attaque signature, aura sphère. J'ai l'impression que t'as la cote avec mon Lucario. Ah bon? Merci. Qu'est-ce que t'en sais? Lucario est un Pokémon qui peut voir l'aura des gens, et j'imagine que la tienne lui plaît bien. Il est toujours à se tirer la bourre avec mon autre Lucario. Peut-être qu'il attendait juste de voir apparaître un bon dresseur comme toi? Je suis la championne de Yand 13, Cornelia. T'as l'air d'être du genre à collectionner les badges, alors mes patins me disent qu'on va se revoir. Je sais pas comment t'es le son là.
qu'on va se revoir à un moment ou à un autre. Je suis sûr que ça se passera comme sur des roulettes. Celle-là, je l'ai baissée par contre. Voilà. Allez, viens dans mon équipe, Lucario. Chemin du versant. C'est quoi ça? Oh! Énorme! Je peux monter dessus? Allez, il fait une figure là-haut! Ah, oh, dommage. Je peux... Mince. Peut-être qu'on peut en faire des figures, je sais pas. Hop là! Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant ici. Là. C'est la route. Eh bien, écoutez, j'ai hâte de savoir ce qu'il y a dans les herbes. Je suis désolé. Mais je suis obligé d'aller voir. Oh, un Posipi! Bon, il est bidon. C'est pas grave. Je vais quand même le capturer. Et en plus, il va monter au niveau 13, Pikachu. Dès que je l'aurai capturé. Oh, c'est doux! C'est tout. Écoutez, on va faire Mimiqueux. On va aller faire baisser sa défense. On va refaire Vive Attaque. Voilà, encore une fois, et après ça sera bon, on va le capturer. Parce que le but quand même du jeu, c'est de remplir le Pokédex. Et là, ça donne vraiment envie de le remplir. Et non, ça ne m'affecte pas. Alors, sac Pokéball, j'en ai 4. Faudrait que j'aille en racheter. Ce serait plus cool. Non, j'ai cru que si je bougeais la 3DS, ça bougeait aussi le décor. Mais non. Posipi, bon voilà, un Posipi que je vais laisser dans mon PC. Tu vas prendre Cage Éclair. Camaraderie, je crois que ça. Diminuant son attaque, je m'en fous. C'est un peu comme Rugissement, c'est pareil. Hein. C'est exactement la même chose. Posipi, donc pas de surnom. Hein. Allez, on va encore voir ce qu'il y a dans l'herbe. Oh, un coifferel. Allez, go, Pikachu. Fais cage éclair. Mais il est gros, ce beau... Il est grand, en fait, je veux dire, de taille. C'est plus qu'un caniche, ça. Je sais même pas de quel type il est. Je dirais normal. Mais je sais pas. Yes, il est paralysé. C'est bon, ça. Allez, encore un petit coup, en espérant ne pas faire un coup critique, et ensuite on le capturera. Mmh, super. Alors, le stylet... Ah non, il est là. Alors, on y va. Non. Voilà. Pokéball! Allez, t'es capturé. Non ! Premier échec ! Il en fallait bien un, hein. Mon dieu, attends, t'es paralysé, t'es dans le rouge. Et tu te laisses pas capturer, je rêve. Allez. Oui, c'est bon. C'est super. Bon voilà, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires en me donnant des petites astuces que vous avez découvertes lors de lorsque vous avez joué. Ça m'intéresse énormément. Parce que moi, si ça se trouve, je rate quelque chose à droite, je rate quelque chose à gauche. C'est vachement intéressant pour moi. Vous m'avez donné des conseils notamment pour me changer dans le centre Pokémon. Il y en a un qui m'a dit qu'on pouvait changer ma coiffure. Bon, je sais pas vraiment où c'est, j'ai pas trouvé. S'il y en a qui peuvent me repréciser.
voilà, je vous sollicite beaucoup dans les vidéos, parce qu'en même temps, c'est un échange entre vous et moi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est... ouais, bon, on va changer. Putain, je vais me faire démonter, là, attendez. On va amener Diable. Par contre, il se peut que... Je vais pas utiliser Poussifeu et... Ah bon, là, j'utilise les deux. Mais dans l'aventure, il y en a un des deux que je vais enlever. Et malheureusement, ben, celui que je vais enlever, ça va être Poussifeu. Parce que... Enfin, quoique. Bah écoutez, vous pouvez me dire dans les commentaires, entre ces deux Pokémon feu, lequel il serait mieux pour moi de garder. D'ailleurs, Poussifeu va évoluer en Galifeu. Première évolution dans mon jeu. Non mais il faut que des vives attaques, sérieux. Oh. Bon les amis, on va couper au montage. Et voilà, combat terminé, je l'ai battu. Alors Poussifeu a appris Pic-Pic. Ninja est monté au niveau aussi, bah il remonte encore au niveau. Il a appris Vibraquois, que j'ai enlevé à la place d'Écume. Et Salamèche est aussi monté de niveau, mais il n'a pas appris d'attaque. Il est KO, il a été KO. Quoi, Poussifeu évolue? Félicitations, Poussifeu a évolué en Galifeu. Bah alors, t'apprends pas double pied? Peut-être pas maintenant, alors, je me suis trompé. Galifeu niveau 17. Mais il semblait qu'il apprenait double pied dès qu'il évoluait. Alors, il a quoi? Augmentation de vitesse, baisse de défense spéciale. Ouais, voilà, je sais pas qui garder entre Galifeu et... Enfin, entre Poussifeu et Salamèche, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Je conseille au dresseur, bouton express. Ouais, ça, je sais. Allez, qu'y a-t-il ici? Un Abra! C'est intéressant, ça, Abra. C'est intéressant. Alors, on va faire... bah oui, de toute façon, il va faire téléportation, donc c'est maintenant ou jamais. Hein. Allez, super bol. Et il faut en avoir du bol. Bon, alors, allez, tu rentres, s'il te plaît. T'es gentil. Non, t'étais mignon, là. Non, faut pas téléport, non. Idiot. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va voir ce qu'on peut avoir d'autre. Putain, j'ai usé une super bol pour rien. Hey, Dodio! Mi amigo! Allez, prends-toi mon éclair. Dans ta face. Oh, 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 oh. Si ce n'est pas beau, ça. Allez, go. Tac, tac, tac. Là, s'il l'attrape pas... Faut se poser des questions. Hein. Ouais, c'est bon. J'ai eu peur. D'ailleurs, s'il y en a un dans les... Il y en a un parmi vous qui aurait une balle lumière, ça m'intéresse énormément. Donc s'il y en a un qui a une balle lumière, n'hésitez pas à me le dire. Et qui veut, bien évidemment, me l'échanger. Hein. Et ça, c'est évident. Bon, bah, j'ai plus de Pokéball, malheureusement. On peut toujours regarder. Eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé YouTube. Et je procéderai à l'échange. Parce que c'est vrai que pour Pikachu, c'est assez utile, balle lumière. Étant donné, il me semble que ça augmente... je crois que c'est attaque spéciale, défense spéciale, il me semble. Un truc comme ça. Posipi, j'imagine que dans l'autre version il doit y avoir Megapi, dans la version Y. Mais je suis pas sûr. Hein. Je
dis ça sans en être sûr. Les hordes de Pokémon sont très impressionnantes, c'est dingue, on dirait des hordes de fans pour la première d'un méga concert. Tierno, est-ce qu'il t'arrive de penser à autre chose qu'à la musique et à la danse? Non, pourquoi? Même dans les combats, ce qui me branche, c'est la choré des Kappas. Je me laisse entraîner par leur rythme endiablé et tout ça fait que je gagne jamais. Au fait, mademoiselle, t'aurais pas des moyens, des moves sympas à me montrer? Un petit combat là? Comment dire? Tierno le dresseur veut se battre. Oh, t'as qu'un Pokémon, bon, ça va. D'autant plus si c'est un Ekrapins. Ça va être un jeu d'enfant. Aïe, mal ça. Bien joué, mon petit Pikachu. Niveau 15, youhou! Et ne vous inquiétez pas, ce Pikachu évoluera. Moi, je le ferai évoluer en Raichu. Ça, c'est sûr et certain. Rania, ou devrais-je dire, mademoiselle? Tierno est vraiment obnubilé par la musique. Même quand il rencontre des hordes de Pokémon, il reste là comme hypnotisé, les regarder bouger. Hey Trov, c'est normal, je voudrais inventer la Poké-Corée la plus classe du monde. Je suis né pour danser, c'est ma destinée. Je m'arrêterai jamais, même quand je mourrai. Pourquoi est-ce que ce genre de rêve ne surprend personne? Je devrais prendre exemple sur ta détermination, réaliser mon rêve, compléter le Pokédex. Je dois rester sérieux, il le faut. Mademoiselle, tiens, voilà du miel. Oh, c'est gentil. Petit clin d'œil à la team miel. Grâce au miel, les Pokémon ont tendance à apparaître en ordre plus facilement. Ah ben voilà, ça rappelle un peu les arbres à miel dans Noir et Blanc. Alors, que m'a dit... Putain, Pyrux m'a dit quelque chose, il m'a dit ne va pas tout au bout. Non, mais non. Je savais que j'allais regretter cette nuit blanche. Takumi, le dresseur prometteur. Kadabra ? Aïe. Bon, écoute, déjà cage éclair, parce que je sais qu'il est 30 fois plus rapide. Non, il ne veut pas rapide que moi. Ah, mais peut-être que ça n'a pas marché, attendez. Il a peut-être Live Guard. Ah, ouais, c'est bon. Trop fort. Télékinésie, j'ai évité l'attaque. Alors, je sais qu'il est peut-être... Je sais qu'il est pas très bon en défense, ce Pokémon. En défense spéciale, il gère peut-être un peu plus. Donc, on va peut-être faire Vive Attaque. Juste histoire de voir ce que ça donne. Il a pas de chance, hein. Je l'ai paralysé, il arrive même pas à attaquer une seule fois. Ah, choc mental. Ah non, mince, j'ai pas vu mon nombre de PV. Désolé, Pikachu. Écoutez, on va le finir avec Phoenix. Non, on va le finir avec Phoenix. D'ailleurs, Phoenix peut s'écrire de deux manières. Comme je l'ai écrite. Ou sinon, Phoenix. En fait, il y a les deux. J'ai choisi Phoenix parce que je trouvais que ça faisait plus français. Phoenix, c'est en grec, ou en anglais aussi sûrement. Bon, en tout cas, les deux s'écrivent. Hein. Ah, j'aurais aimé qu'il évolue. Phoenix. Dommage. Oh! Classe! Super potion. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux remonter? Non, ça serait fou ça. Ça m'étonnerait d'ailleurs. Non, il peut pas. Ah, d'accord, ok. Très bien, coucou. Combat. Et encore un Posipi. Bon, on va aller jusqu'au bout de la route. 5, sans aller dans la ville, sans se rendre exactement dans la ville. Oula, ça monte. J'ai juste peur des combats, c'est pour ça que je vais pas très vite. Bon, allez, on le fait. Oh, c'est quoi?
Non, énorme. Une baie au rang. Et comment je... Des baies commencent à pousser en haut de l'arbuste, mais elles semblent difficiles à atteindre. Peut-être qu'un Pokémon pourrait... Oh, zut, je reviens là. Pourrait les attraper. Hop, hop, hop. Ouais, il va y avoir des Pokémon, là, j'imagine. Eh ouais, forcément. Si on tombe pas sur un Flabébé, c'est un miracle. Oh, encore la Poséipi. Très bien, Poséipi. Au revoir. Ok, bon, la route est assez longue, visiblement. Qu'est-ce que je viens de voir passer? Non! Ah, je voulais m'arrêter. Un Pokémon, bon, ça va. Fouinette, bon, ouais. Allez, on va tester Vibra, quoi. Je crois pas l'avoir testé depuis tout à l'heure. C'est parti. Waouh. Ouais, bon, coup critique, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Bon, allez, on va s'arrêter là, parce que sinon, me connaissant... Mais zut. Non! Sale gamin, Sébastien. Ouais, mais non, mais non, maintenant j'ai mon Pokémon. Oh là, ça me dit rien du tout. Allez, Galif, à toi de jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ok, ok, là, il a joué avec lui, d'accord, j'ai pas compris. Je croyais qu'il essayait de genre faire de. Ouais, je fais pas l'attaque, je l'évite. Mais non, c'est pas le cas. Non, mais là, Galifeu, c'est un monstre, hein. Je suis désolé, mais. Si je le prends, il va gagner, il va tout gagner. Hein. C'est pour ça, je sais pas, je vous laisse décider entre Salamèche et. Enfin, entre Reptacel et. Bon, voilà, maintenant. Allez, je vais juste avancer là. Oh, c'est tentant, hein. Ah ben voilà, on arrive à la ville. Super, eh ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode numéro 6. Le prochain, je sais pas s'il sera en solo ou en duo. En tout cas, il sera sur ma chaîne demain à 18h30. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.